1, 2 dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, il y a, et c'est le souhait de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est qu'il prospère. Chaque enfant de Dieu, selon le plan de Dieu, devra prospérer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il se dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Donc c'est ça en fait. Premièrement, c'est parce qu'il y a beaucoup de leaders qui ne sont pas éclairés sur la question. Qui continuent en paix, loin, mais avec une mentalité de pauvre. Exactement. Donc l'ancien ne nous délivre pas de la mentalité de pauvreté. Donc ça c'est la première ça, raison. Ça c'est clair, on peut être pauvre, totalement pauvre. Amen. On peut craindre de Dieu et peut mourir pauvre. Il y a plein d'exemples bibliques. Donc il faut qu'on le comprenne. Ensuite, il y a le fait que même quand on connaît la volonté de Dieu, il faut encore connaître les moyens par lesquels on parvient justement à la richesse, il faut justement la connaissance. Deuxième raison, connaître les moyens par lesquels on parvient à la prospérité. La troisième, c'est qu'il y a des personnes qui connaissent les moyens, mais qui ne mettent pas en pratique. La parole ne t'est pas utile quand tu ne peux pas la mettre en pratique. Donc, il faut pratiquer la parole qu'on reçoit. Amen. Donc, le drame, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu se limitent aux slogans, des déclarations stériles. Donc, aussi longtemps que ma déclaration n'est pas suivie d'une action, ma déclaration devient stérile. Parce qu'il faut que je passe à l'action, que je fasse quelque chose. Et celui qui ne fait rien n'a jamais rien. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, c'est clair. Donc, ce qu'on a est la conséquence de ce que nous faisons. Voilà, donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, et c'est pour ça qu'il faut que le peuple de Dieu soit enseigné pour entrer en position de ce que Dieu réserve pour l'Église. Revenons sur le cas, la question, Jésus dit, il n'a pas reposé sa tête. En fait, il était en train de répondre au jeune homme qui voulait le suivre. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Il ne parlait pas du manque de moyens financiers. Les renards se reproduisent dans les tanières. Les oiseaux se reproduisent dans les nids. Et Jésus dit, moi je n'ai pas de femme pour me reproduire. Donc le fait que tu viennes à moi, tu me donnes une opportunité justement de me reproduire en toi. Donc tu devais justement pour moi, voyez, ce que la tanière pour le renard. C'est ce qu'il était en train de dire. Parce qu'il est temps. Donc tu me donnes l'opportunité de me reproduire en toi. Parce que comme le renard va dans la tanière et que l'oiseau va dans le nid, moi j'irai en toi. Parce qu'en me suivant, je ferai de toi justement un petit Christ. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà, donc Jésus n'a jamais été pauvre. Jésus avait un intendant. Alors quand il a posé la question, il dit, qu'est-ce que vous avez? Il y avait des personnes qui gardaient des biens. Et quand vous lisez la Bible dans Luc 8, 1, 2, 3, la Bible dit qu'il y avait la femme et l'intendant de Rhodes et plusieurs femmes qui soutenaient Jésus de tous ses biens. Donc Jésus avait des moyens. Et 2 Corinthiens 8, verset 9 dit, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons devenus riches. Amen. Voilà. Donc même l'état dans lequel il a été, c'est un état de privation volontaire afin de restaurer justement l'homme Adam et le premier Adam qui est dans le jardin d'Éden justement a connu la chute. Donc il faut que les gens le comprennent. Jésus n'a jamais été volonté de Dieu, c'est que ses serviteurs soient prospères. Dieu n'a aucun problème avec la richesse, aucun. Ce sont certaines personnes qui ont des problèmes avec la richesse. D'abord je vais plus loin, vous savez, il y a des choses, j'ai été dans les deux camps. Moi j'ai connu la pauvreté. Certaines personnes ne le savent pas, j'ai connu la pauvreté. J'ai touché dans le ministère, mon premier salaire c'était l'équivalent de 50 euros. Ensuite quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1999, 2000, j'ai touché environ 40 euros, c'est-à-dire 15 000 francs CFA. C'était mon salaire. Moins de 40 euros, c'est environ. C'était mon salaire, 15 000 francs CFA. J'ai touché 15 000 francs CFA pendant près de 2 ans. Donc je sais ce que c'est être pauvre, ne pas avoir de l'argent. Je sais ce que c'est. Et je vais te dire une chose, Alain. J'ai constaté que
quand je commence, Dieu a commencé à me bénir. Mm. J'ai mieux compris la parole de Dieu que quand j'étais pauvre. D'ailleurs, Dieu parle, je vous garantis. Non, vas-y, parle, pasteur, vas-y. Même en diplomatie. Non, mais comme ça, non, mais c'est plus facile de comprendre la parole de Dieu quand on est prospère. Non, en fait, je veux dire qu'il y a des choses. Je veux dire que quand vous rencontrez, par exemple, un homme politique et qu'un homme politique parle en langage diplomatique, mm-hmm. il faut être initié à la diplomatie pour comprendre ce que ça veut dire. Ah, c'est ça même. C'est ça même. Ouais. Et Dieu est un Dieu riche. Quand il parle, son langage est le langage de quelqu'un qui est riche. Donc, il y a des choses que tu ne perçois pas pleinement dans la parole de Dieu. Quand toi-même, tu n'es pas élevé, Amen. Marche à cet état-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, est-ce que tu peux dire comme cet homme Par qui exemple, a dit, si Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Mm. Mm. Comment est-ce qu'un homme pauvre peut s'aimer? Vas-y, redis la question. Aime ton prochain est-ce comme toi-même. Est-ce qu'on peut juste augmenter le micro du pasteur? La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Mm-hmm. Ok. Mm. Comment est-ce qu'un homme pauvre peut s'aimer? Mm-hmm. Un homme pauvre répugne son image, mm-hmm. déteste sa propre. Il faut lire la voix du pauvre, une enquête qui a été menée par la Banque mondiale. Mm. Les pauvres parlent de ce que c'est que la pauvreté. Mm. L'enfant même du pauvre le rejette. Mm. La Bible dit que, dans le proverbe, la Bible dit que le pauvre est odieux même pour ses propres amis, pour ses propres frères. Même les frères du pauvre n'aiment pas s'identifier à lui. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Donc, pasteur, est-ce que tu peux dire, comme cet homme qui a dit, j'étais pauvre, maintenant je suis riche, honnêtement, je préfère être riche. En fait, et je vais plus loin. Celui qui vit encore dans la pauvreté n'est pas encore libéré de toutes les malédictions qui s'étaient attachées à ça. Amen. Parce que la pauvreté est une malédiction. Amen. C'est une malédiction. Mm. De la même manière, c'est une malédiction. Est-ce que vous entendez? C'est comme quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade n'est pas encore dans la pleine bénédiction de Dieu. Amen. Voilà. Donc la pauvreté est une malédiction. Mm-hmm. Et je vais plus loin, la pauvreté est une malédiction illégitime. Mm-hmm. Elle est illégitime. Mm-hmm. Elle n'a aucun fondement juridique selon les Écritures. Amen. Pour être attaché à la vie de quiconque. Mm-hmm. Et donc la première chose pour être libéré de la maladie, de la pauvreté, c'est qu'il faut la détester. Mm-hmm. Celui qu'il faut détester la pauvreté. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. Elle n'est pas une bonne chose. Amen. Est-ce que vous savez que un homme pauvre a des difficultés, même au niveau de sa femme, de faire connaître ses sentiments? Ça c'est vrai. Même au niveau de sa femme. Demandez à une femme. Ça, entre lui dire je t'aime trois fois par jour et lui faire un seul présent une fois par mois, qu'est-ce qui est plus intéressant? Ah, je ne sais pas si vous suivez, chers internautes. Entre dire à une femme je t'aime trois fois par jour et lui offrir un présent une fois par mois, qu'est-ce que la femme va aimer? Parce que le présent est la démonstration de l'amour. Mm-hmm. Dieu a tant aimé qu'il l'a donné. Amen. Donc si Dieu était pauvre, il n'aurait pas pu prouver son amour. Amen. Le pauvre ne peut Amen. Pas prouver qu'il aime. Amen. Tu peux aimer, mais dans la pauvreté, tu n'as pas de capacité de démontrer ton amour. Oh, du tout. Si pasteur. Dieu était pauvre, il n'aurait jamais racheté les hommes. Jamais. Jamais. Amen. C'est parce qu'il avait qu'il a donné. Mm-hmm. Donc celui qui est démuni n'a pas la capacité de prouver quels sont les sentiments qu'il a. Mm-hmm. Et ça, c'est terrible. Amen. C'est terrible. Amen. Je sais de quoi je parle. Mm-hmm. Amen. Je sais de quoi je parle. Donc, mais comment est-ce qu'on fait pour entrer en position de ce que Dieu a pour nous? Il faut premièrement identifier le secteur dans lequel Dieu nous a appelés.
La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc, il y a des œuvres qui ont été préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Nous devons identifier ce secteur dans lequel Dieu nous appelle. Mais comment je l'identifie? Chacun d'entre nous avons des dons, des talents, nous avons des choses que nous aimons faire avec joie et nous sommes prêts à le faire même si on ne reçoit rien de personne. C'est un indicateur que nous sommes appelés à, dans ce secteur précis. Et maintenant, quand nous allons dans ce secteur, activer toutes les lois divines qui sont des lois irréfutables du succès, comme la loi de l'excellence, la loi de la persévérance. Il y a beaucoup d'autres lois que j'enseigne là-dessus qui permettent justement aux gens d'activer la bénédiction de Dieu sur leur vie. Et donc, ça commence d'abord par l'identification du domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Parce que il dit, je bénirai l'œuvre des ténèbres. Donc, il faut comprendre que Dieu ne bénit pas nos paroles, il bénit nos actions. La Bible dit, Hébreux 11, verset 6, le juste vivra par la foi. Voilà. Amen. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Okay. Et donc, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et pas tout, que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, si je m'approche de Dieu, il y a une récompense qui est rattachée au fait de m'approcher de Dieu. Donc, je trouve aberrant qu'on dise aux gens, non, adore simplement Dieu, c'est pas grave, tu fais rien pour toi. Il va penser à toi là-haut. Je dis, mais si Dieu t'oublie sur la terre, quelle est la garantie que tu as que quand tu arriveras au ciel, il va penser à toi? Ouais. Non, je pense qu'il y en a qui ont raté. Ça s'est envolé. Pasteur, répète juste cette partie-là. Si Dieu t'oublie sur la terre, quelle est la garantie que tu as quand tu vas au ciel, il va penser à toi? Parce que, au moins, la preuve qu'il te connaît, c'est que sur la terre, au moins, il pense à toi. Donc, sur la terre, s'il t'oublie. Ça mérite des acclamations et des amens aussi. Continue, pasteur, continue. Donc, s'il t'oublie sur la terre, ça veut dire que quelque part au ciel, peut-être qu'il ne te connaît même pas. C'est ça le vrai problème. Pasteur, là, si tu envoies ton fils aux États-Unis faire des études, tu es un homme riche, est-ce que tu n'auras pas de l'argent à ton fils? Si, j'enverrai de l'argent. Pour prendre soin de lui, puisque tu es riche. Si tu n'envoies pas l'argent à ton fils, ça veut dire qu'il y a un problème à voir. Il y a quelque chose qui marche. Ah, ça c'est vrai ça. Il y a quelque chose entre vous deux qui marche. Et c'est la raison pour laquelle ton fils, toi l'homme le plus riche de la France, peut être privé de bien à l'étranger. Et même pour ses propres amis, on dira que c'est anormal que tu sois le fils de telle personne et qu'ici, tu dormes dans ce studio-là. En fait, c'est quelle devrait être la réaction des païens quand tu vois les chrétiens pauvres? Que ce n'est pas normal. Tu dis que Dieu, le créateur de l'univers, est ton père. Et c'est là où tu dors. Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous deux. Ah, vraiment. En fait, c'est ce que c'est. Il y a un problème. Ah, vraiment. Et comme Dieu n'est jamais fautif, alors maintenant chacun doit rentrer en lui-même pour voir quel est le problème que lui, il a dans ses rapports avec Dieu, qui empêche que Dieu puisse justement. Et donc, il faut aussi demander, je le dis davantage ces derniers temps, l'intelligence divine. Il faut beaucoup d'intelligence. Parce que les gens confondent l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Amen. Quand on est dans un environnement comme celui-ci et qu'on est intelligent, dans la société, on peut facilement comprendre où se trouvent les besoins des hommes. Le drame, c'est que beaucoup de personnes à l'église vont dans les affaires parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Très peu de personnes vont dans les affaires parce qu'ils veulent servir leurs semblables. Vous voyez? Et alors que les gens qui sont devenus abondamment riches sont ceux qui ont donné l'accent sur le service et non sur le gain, simplement. En servant ses semblables, on met une loi divine en marche qui permet à la bénédiction de Dieu à sa faveur d'être sur nos vies. Donc c'est important par l'intelligence de comprendre, n'est-ce pas, le secteur dans lequel je peux servir, où ils ont besoin, où les gens ont besoin d'un service particulier. Et je m'engage justement à servir le maximum de personnes. Ensuite, il ne faudrait pas que mon service soit simplement dans une circonscription limitée. Parce que je peux servir 10 personnes comme servir 10 milliards de personnes. Donc, il faudrait que je fasse au maximum d'efforts d'étendre mon service au maximum de personnes. Plus je touche des personnes, mieux ma rémunération, tant terrestre que céleste,
est grande. Donc, c'est autant de choses qu'il faut savoir. Donc, ça commence par la localisation du domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Donc, Jacob, par exemple, est allé chez Laban et il a utilisé l'intelligence divine pour déposséder Laban de sa richesse par le travail. Et il est sorti de chez Laban avec abondamment de biens. On peut commencer la richesse par le processus du travail. Hein. Simplement d'abord travailler. J'ai un enseignement, je dis, qu'il est important d'apprendre à épargner pour investir. Voilà, donc je peux avoir un secteur où Dieu m'a appelé, je n'ai pas assez de ressources. Je vais faire un travail qui me donne 1500 euros. Je décide de vivre comme quelqu'un qui touche 700 euros par mois ou 750 et j'épargne 750 euros tous les mois. En un an, j'aurai déjà une épargne d'environ 9000 euros que j'aurai mis de côté. Mais c'est le sacrifice que je mets, que je déclenche. Et ensuite, avec le capital de 9000, je peux commencer moi, justement, une activité qui va me permettre justement d'aller loin. Donc, tout dépend justement de l'intelligence qu'on a. Et ensuite, couplé de la sagesse qui est la capacité d'utiliser la connaissance que nous avons, c'est sûr que la prospérité est garantie. Ouais, surtout que nous avons une bonne alliance.